Shalom, bonjour What of Life, bienvenue à l'hôtel de prière matinale du lundi 31 mai 2021. Oh oui, frères et sœurs, nous pouvons rendre grâce, entrons dans la présence du Seigneur en rendant grâce pour ce nouveau jour qu'il nous donne, pour cette semaine qui a commencé, pour la grâce d'être vraiment connectés à cet hôtel de prière matinale où nous pouvons prier, nous pouvons recevoir des enseignements. Oh oui, merveilleux Père de gloire, merveilleux Père de grâce, qui est comme toi, qui est comparable à toi? Et ce matin, Père, nous tournons nos regards vers toi, nous tournons nos cœurs vers toi, nous levons nos mains vers toi et nous te disons, oh oui, oh Seigneur, le monde est ta richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Oui, Père, nous te disons ce matin, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te glorifie, Père. Je te remercie pour le don de la vie, je te remercie pour le don de ton Fils Jésus, pour le salut en Jésus. Je te remercie et je te bénis pour le don du Saint-Esprit qui me permet de t'appeler Père, qui me permet de m'écrier Abba et d'avoir la certitude, l'assurance que je suis enfant de Dieu. Amen. Oh oui, frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour sa parole qui éclaire nos pas, sa parole qui est une lumière sur notre chemin. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit dans Jean 8 au verset 10, lorsque Jésus se fut relevé, il ne vit plus que la femme et il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a condamné? Nous sommes ici dans l'histoire de la femme adultère. Et oui, quelques minutes plus tôt, enfin, quelques instants plus tôt dans l'histoire telle qu'elle est racontée dans Jean 8, 6, alors que les hommes pointaient du doigt pour accuser la femme adultère, pour réclamer sa lapidation, le Seigneur Jésus s'était baissé et il écrivait quelque chose à terre. Qu'est-ce qu'il a pu bien écrire? Nous pouvons supposer qu'il annulait l'accusation et réécrivait l'histoire de la vie de cette femme avec son doigt de grâce et de miséricorde. Oui, frères et sœurs, l'esprit accusateur est un esprit qui pointe du doigt. C'est un esprit de blâme qui se spécialise dans le déterrement du passé et dans le fait de blâmer les gens pour ce qu'ils ont vécu dans le passé. Il fonctionne main dans la main avec un esprit de critique et un esprit de jugement. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui te condamne? Nous allons prier ce matin. Oui, ce matin, nous allons proclamer au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes libres de toute condamnation. Alors, nous allons prendre quelques points de prière avant de passer à l'enseignement avec le pasteur Kasuku. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie ce matin. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, je fais taire la voix de l'accusation. Je déchire cette lettre, j'ordonne à ce doigt accusateur de se taire dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième point de prière. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je proclame ce matin encore, je suis pardonné, je suis racheté, je suis aimé. Il n'y a pas de condamnation pour moi en Christ, hein, selon ce que dit Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour qui est en Christ Jésus. Et je prends cette parole, je la saisis pour ma vie, je la serre sur mon cœur et je déclare ce matin que je suis libre de toute condamnation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta liberté. Et nous allons prendre un dernier point de prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, là où l'accusateur a écrit malédiction, désespoir, mort, condamnation, destruction, stagnation, maladie chronique, dénuement, venge-moi, ô Père, et laisse l'encre du sang de Jésus écrire une nouvelle histoire de bénédiction, d'espoir, de vie, de pardon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous allons rejoindre maintenant le pasteur Kasuku pour le premier enseignement de la semaine sur le thème localiser et relocaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour les points de prière de clôture. Amen. Bon temps d'enseignement. Salutations d'expansion à vous tous sur Word of Life, partout où vous vous retrouvez.
Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci de vous joindre à nous en ce matin. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait parvenir leurs vœux à l'occasion de mon anniversaire. Merci et que Dieu vous bénisse. Vous vous êtes souvenu de moi, que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Alors prions, Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus et nous croyons en toi et nous prions que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous un bon Amen. Alléluia. Cette semaine, je vais parler d'un thème vraiment intéressant et le thème que je vais exploiter cette semaine, c'est localiser et relocaliser. Je crois fermement dans mon cœur que or, ceci est une saison, c'est la saison pour quelqu'un d'être localisé et relocalisé. Alors, lorsqu'on parle de localiser et relocaliser, alors comprenons que localiser veut tout simplement dire que quelque chose était perdu, perdu dans la foule, perdu dans une maison, perdu dans un bâtiment ou en cours de route et retrouver, voilà, perdu et retrouvé, c'est ça, localiser. Ça veut dire que vous savez exactement l'endroit où la chose a été perdue et vous la retrouvez, voilà. Relocaliser veut dire changer de place, se mouvoir d'une place, d'un lieu à un autre. Donc lorsque vous êtes locataire, vous changez de maison, d'une maison vers une autre, ou bien vous étiez locataire, vous avez bâti votre maison, vous changez de lieu, c'est ce qu'on appelle relocaliser. Quand nous lisons la Bible dans Colossiens, chapitre 1er, verset 13, la Bible déclare, Paul sait, et c'est Paul qui dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés et transférés. Délivrés et transférés. Alors, le mot grec pour transférer, c'est métistémie. Métistémie veut dire transférer. Métistémie veut dire mouvoir d'un lieu à un autre. Donc, vous comprenez que lorsque nous venons à Christ, nous sommes transférés. Il y a Dieu nous transfère du monde des ténèbres vers le monde de la lumière. Alors, je veux déclarer sur quelqu'un ce matin que ceci est ta saison de relocalisation. Amen. Quand nous lisons dans Jean au chapitre 5, le verset 2 jusqu'au verset 9, la Bible parle de l'histoire d'un homme qui était paralytique pendant 38 ans, il était dans la piscine de Bethesda et bon voilà, il était parmi les paralytiques, il était parmi les aveugles et ils attendaient le mouvement de l'eau, l'ange venait bouger l'eau et puis celui qui s'est jeté le premier était guéri de n'importe quelle maladie qu'il avait. Et Jésus est venu, il a vu cet homme et évidemment Jésus savait qu'il était là depuis très longtemps. Et il a changé sa situation. Il l'a localisé d'abord, premièrement, et puis deuxièmement, il l'a relocalisé pour l'amener là où il devait être. Ce qui fait que j'ai quelques déclarations très importantes qui constitueront la fondation de mon message, de mes messages de cette semaine. Premièrement, je vais vous dire que Dieu veut t'enlever de la liste noire pour te transférer dans le livre de vie. La liste noire, c'est la liste d'individus qui sont des mauvais de la société, les méchants. Les gens qui sont recherchés pour un crime, ce sont des gens
non désirés dans la société. Voilà, la liste noire. Quand nous lisons Jean chapitre 5, le verset 2 à 3, la Bible déclare que dans cette piscine-là de Siloé, il y avait des paralytiques, il y avait des aveugles, et l'homme en question était parmi ces gens-là. Et je veux te faire comprendre que quand Dieu te localise, il efface ton nom sur la liste noire. Je déclare sur quelqu'un que ta famille ne sera plus jamais mentionnée sur la liste noire des pauvres. Ta famille ne sera plus mentionnée sur la liste noire des paralytiques. Ta famille ne sera plus mentionnée sur la liste noire des endettés. Ta famille ne sera plus jamais, et toi-même, même toi qui m'entends ce matin, tu ne seras plus mentionné parmi les stériles. Tu ne seras plus mentionné parmi ceux qui luttent dans la vie. Tu ne seras plus mentionné parmi ceux qui sont dans les difficultés de la vie. Je prie que Dieu enlève ton nom de la liste noire par la puissance du sang de Jésus, qu'il te transfère dans le royaume du Fils de son amour. Gloire au Seigneur. Quand nous lisons Ésaïe 62, verset 2, la Bible déclare que l'on t'appellera de nom nouveau, c'est lui que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Vous savez tous qu'une femme est appelée après le nom de son mari. Et vous savez que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Ça veut dire que si Jésus est appelé fructueux, tu ne peux pas être appelé stérile. Non! Tu portes le nom de ton mari. Et Jésus est l'époux de l'Église. Et s'il s'appelle fructueux, nous nous appelons aussi fructueux. S'il s'appelle instoppable, nous nous appelons aussi instoppable. S'il s'appelle béni, nous nous appelons béni, pas maudit. Gloire au Seigneur. La deuxième déclaration que je veux faire ce matin, c'est que quand Dieu te relocalise, les hommes te chercheront, mais ils ne te trouveront plus là où ils ont l'habitude de te trouver. Vous savez, il y a des gens, voilà, on sait là où on peut te trouver. On sait si tu vas ici et là, c'est là, il est toujours là. Sous l'arbre là, c'est là où tu le vois, c'est là où il va toujours demander l'argent. Le mendiant là, nous savons là où il est. Mais quand Dieu te relocalise, immédiatement ceux qui savaient là où on avait l'habitude de te voir, on ne te trouvera plus jamais là-bas. J'ai un message pour quelqu'un ce matin. Tu es resté dans cette position pour très longtemps. Le message que j'ai pour toi, c'est que le temps pour toi de bouger est arrivé. Le temps pour toi de te mouvoir est finalement arrivé. Cet homme est resté à cet endroit pendant 38 ans. Et je veux déclarer et décréter sur quelqu'un, assez. Trop, c'est trop. Dans Deutéronome 1:6, Dieu dit, vous êtes restés autour de cette montagne pour très longtemps. Tournez-vous et partez. Tu es resté dans cet endroit-là pour très longtemps. Cet endroit-là où tu es toujours misérable, où tu dépends de quelqu'un pour ton manger et ton boire, où tu attends qu'on puisse te donner le transport. Un endroit où tu es toujours dans la misère, dans les pleurs, dans les... Ah, non. Dans Jean chapitre 7, verset 34, Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Parce que là où je vais, vous ne pouvez pas arriver.
Je prie que cela soit la même déclaration pour toi. Tous les démons et les agents des ténèbres, les sorciers et tous leurs collègues, là, ils te chercheront, mais ils ne te trouveront plus jamais. Ceci est ta saison de relocalisation. Où es-tu maintenant? En Christ, tu es assis dans les lieux très élevés. Éphésiens 1:18. En Christ, ton nom est écrit dans le livre de vie. Apocalypse 21:27. Ton nom n'est plus dans le livre de mort. Ton nom n'est plus dans le livre de malheur. Ton nom n'est plus dans le livre de mort prématurée. Non! La Bible dit que ton nom est en Christ, ton nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu es au courant de ça? En Christ, ta vie est cachée. Colossiens 3:3, la Bible dit que vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu, en Christ, à cacher avec Christ en Dieu. C'est là où se trouve notre vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un mystère. Tu es un mystère parce que le mot caché veut dire mystère. Donc ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que ta vie est un mystère. Ta vie est un mystère. Daniel 5, verset 6. Verset 8, pardon. La Bible déclare qu'il y avait une inscription sur la muraille. Et l'inscription était écrite, mais les magiciens, les sorciers du roi n'ont pas pu lire. Ça veut dire que ce que Dieu a écrit concernant ton futur, ce que Dieu a écrit concernant ton avenir, aucun démon ne peut le lire. Tu es un mystère. Matthieu, chapitre 2, verset 3. La Bible dit que Hérode, le roi, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il était troublé. Il était troublé. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La nouvelle de ton mariage va troubler les démons. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle de ta promotion va troubler le monde des ténèbres. J'ai un message pour toi. La nouvelle de ton mariage va troubler les sorciers de ta famille. Parce que tu es un mystère. Tu es un mystère. Là où tu seras demain, personne ne le sait. Je veux déclarer sur toi que tu es en Christ. Ta vie est cachée. Ceux qui te cherchent, que ce soit dans le monde des ténèbres, ils ne te trouveront jamais. Je veux déclarer sur toi que tu as un nom nouveau. Le Seigneur prépare pour toi un nom nouveau. Un nouveau nom et ton nom est en train d'être enlevé sur la liste de ceux qui souffrent, sur la liste des maladifs. Sur la liste de ceux qui sont sans emploi, le Seigneur change ton nom. Il enlève ton nom de la liste de ceux qui sont malades pour te transférer sur la liste de ceux qui sont en bonne santé, comme moi. Je vous l'ai dit toujours, je ne serai jamais malade dans ma vie. Je déclare sur toi que tu es assis au-dessus des démons, des principautés, des forces, des dominations et des pouvoirs. Parce que en Christ, c'est là ta nouvelle position. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ceci est ta saison de libération. Ceci est ta saison de relocalisation. Ceci est ta saison de la localisation et de la relocalisation. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Je disais qu'il en soit ainsi pour ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen et Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ne partez pas. Il y a des points de prière après ceci. Et nous allons prier ensemble. Et le nom de l'Éternel sera glorifié à tout jamais. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, béni soit le nom du Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es en nous l'espérance de la gloire.
En toi, Seigneur, nous pouvons croire, Seigneur, que tu nous localises et que tu nous relocalises. Oh, sois béni, Seigneur, pour ta victoire, Seigneur, qui va éclater dans nos vies, qui éclate dans nos vies. Merci, Seigneur. Alors, nous allons prendre rapidement quelques points de prière. Enfin, rapidement, nous allons prendre quelques points de prière que vous pourrez prier encore personnellement dans la journée. Amen. Première confession. Je suis en Christ, ma vie est cachée, et ceux qui me surveillent et qui me cherchent pour me nuire ne me trouveront plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Oh oui, Seigneur, ma vie est cachée en toi. Oh, je déclare, Seigneur, en ton nom puissant, Jésus, que ceux qui me cherchent, ceux qui me surveillent pour me nuire, Seigneur, ils ne me trouveront plus, Seigneur, parce que je suis caché en toi, Seigneur. Amen. Nous allons prendre le point de prière suivant. Oh oui, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je suis en Christ, je porte un nom nouveau. Mon nom est écrit, il est inscrit dans le livre de la vie et il est enlevé, il est effacé du livre de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je décrète et je déclare, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ. La vie Zoé de Christ est en moi. Oh oui, je suis en Christ, je suis caché en Christ, je porte un nom nouveau et mon nom est inscrit dans le livre de vie avec l'encre du sang de Jésus. Alléluia. Et mon nom est enlevé, effacé du livre de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisième point de prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis en Christ et donc je suis assise bien au-dessus du diable et de ses agents. Je suis assise en Christ là-haut. Là où j'ai la domination sur eux et ils ne peuvent plus me nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire et louange à toi. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh oui, merci, merci, Seigneur, pour cette élection, Seigneur, que tu fais dans nos vies pour nous permettre, Seigneur, d'être cachés en toi, d'être assis avec toi à la droite du Père, au-dessus du diable de ses agents. Et ils ne peuvent plus nous nuire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeure avec vous, demeure avec nous tout au long de cette semaine. Et vraiment, restons fidèles à ce programme de la semaine sur le thème « Localiser et relocaliser ». Nous vous donnons rendez-vous donc demain matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.